qui s'appelait Jackson, un vieux Canadien qui s'appelait Hughes, et une autre personne qui n'était pas du tout intéressée dans la parole du Seigneur. J'avais ma mire sur les Chinois. Je lui ai parlé de la parole de Dieu. À chaque jour, je lui parlais. Les Chinois, un jour, il est allé à Hong Kong, il est revenu avec une Bible en chinois. J'étais content. J'ai commencé à atteindre un autre jeune. Lui, il était un peu plus. Il me disait, je suis jeune. Il s'appelait Chabados. Et je suis jeune. Je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Et je me rappellerai un jour, je lui dis, ça ne change rien que tu sois jeune. Demain, tu peux tomber et puis c'est fini. Mais ce sont ces paroles qui ont résonné dans les oreilles de l'ancien qui était à côté. Je n'ai jamais eu Chapados. Même les Chinois, je n'ai pas bu. Mais le vieux qui était à côté, un jour, il est venu me dire, « Ah, Dieudonné, tu sais, hier, j'étais à l'église. » Et là, j'étais surpris. J'ai dit, « Mais comment ça, à l'église, quand tu n'es jeune ?» Et puis, il s'est mis à rire. Il dit, « Tu sais, l'autre jour, tu parlais à Steve. » Et j'étais en train de dire, « Mais même si tu es jeune, ça, tu peux tomber et même mourir. » Et puis, il dit, ça m'a fait sursauter. Je me suis dit, mais si lui, il est jeune, c'est comme ça. Et moi, j'ai déjà 62 ans. Et je suis mieux de mettre ma vie à l'ordre. Hughes, aujourd'hui, il est déjà décédé. Vous savez, ce n'est pas parce que l'autre n'a pas reçu que tu n'as pas eu du succès, que Dieu le travaille. Amen. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Ça va peut-être mal. Rends grâce à Dieu. Il est en train de faire quelque chose. Job le dit de cette façon. Même s'il m'est tué, je lui ferai malgré cela confiance. Même s'il me tue, ma confiance sera néanmoins en lui. Parce que sa bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Alléluia. On va prier pour un moment. On va rendre grâce au Seigneur. Alléluia.